conversation screen. You got it. Base 8, 9, and 10 sealed. Scaffold decks A, B, C secure. All systems green. What a beautiful sight. This is Fleet Command, reporting Mothership pre-launch status. Command online. Resourcing online. Construction online. Cryogenic subsections A through J online. K through S online. Scaffold control, stand by for alignment. Alignment confirmed. Stand by, release control. Journal de bord de Santes, 1999. Je suis fier aujourd'hui de faire partie de l'expédition pour découvrir l'espace, plus précisément pour retrouver notre planète d'origine, notre homeworld. The mothership has cleared the scaffold. We are away. Stand by for command line testing. Cela fait 3 jours que nous avons quitté la planète et notre principal objectif pour l'instant est de récolter des ressources. Nous envoyons notre collecteur chercher ce qu'il peut trouver avant de revenir au vaisseau mère pour y déposer les précieuses denrées. Ce n'est clairement pas le moment le plus excitant du voyage. Je dirais même que c'est le plus agaçant. Heureusement, après quelques recherches menées par nos scientifiques, nous avons pu élaborer un contrôleur de recherche qui permet à notre collecteur d'y déposer ses trouvailles sans avoir à faire l'aller-retour jusqu'au vaisseau mère. Aujourd'hui, nous avons croisé des vaisseaux ennemis. Toute la flotte s'est mobilisée pour permettre la victoire. Nos chasseurs, les vaisseaux légers, sont partis en premier. Ils sont rapides et très manœuvrables, ce qui est plutôt efficace pour les reconnaissances et pour permettre de ralentir la flotte ennemie pendant que nos frégates se mettent en position, par exemple. Car oui, notre priorité durant une attaque est de protéger notre vaisseau mère, sans qui nous sommes tous condamnés. Les corvettes arrivent ensuite. Elles font du bon travail en éliminant les chasseurs ennemis. Ainsi, quand nos frégates arriveront, elles pourront se concentrer sur les grosses unités et nous apporter la victoire malgré les pertes. Ce jour-là, nos 2 corvettes de récupération sont revenues avec une frégate ennemie. Après nettoyage et réparation, nous avons pu piloter cet engin et l'utiliser à notre avantage, ce qui est une bonne chose car nous ne possédons pas encore la technologie pour créer des unités aussi puissantes que celle-ci. Quant à moi, je contrôle tout ce petit monde depuis mon centre de commande. Je vois tout ce qu'il se passe grâce à mon radar, très bien pensé pour mon job. J'ai ainsi le moyen d'envoyer nos unités très loin, dans toutes les dimensions que nous offre l'espace. Je peux leur donner des tactiques en cas d'attaque, ou bien des formations pour leur permettre d'attaquer nos ennemis de façon coordonnée. Mon poste ici est vraiment un bon poste. J'aime vraiment parcourir l'espace, commander ces unités et faire des sauts en hyperespace quand on a terminé une mission. Non vraiment, je recommanderais ce poste à quiconque pourrait y accéder. Aujourd'hui, quelque chose de bizarre s'est produit. Alors que nous faisions un saut en hyperespace, notre montre a soudain indiqué le 25 février 2015, soit presque 16 ans après notre premier départ. All stations green. You got it. Base 8, 9, and 10 sealed. Scaffold decks A, B, C secure.
This is Fleet Command. Reporting Mothership relaunch status. Command online. Resourcing online. Construction online. Cryogenic subsections A through J online. K through S online. Scaffold control, stand by for alignment. Alignment confirmed. Stand by, release control. All caliper banks released. The mothership has cleared the scaffold. We are away. Stand by for command line testing. Command line green. Initial fleet in position. Rien ne semble avoir changé au niveau des fonctionnalités du vaisseau. Tout est pareil. Sauf la vue. C'est comme si les vaisseaux étaient plus beaux, les explosions plus réelles encore. Si j'avais commencé mon voyage en 2015, alors j'aurais été vraiment émerveillé et je conseille à nouveau à tout le monde de prendre ce poste. Mais ceux qui ont déjà vécu l'aventure, rien de vraiment neuf à l'horizon. Vous ne feriez que revivre la même aventure. À vous de voir si c'est votre souhait ou non. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Le vaisseau tremble, tout le monde panique. Je me dirige vers le centre de commande en vitesse. Notre montre tombe de son emplacement, alors je me jette pour la récupérer, mais au même moment je me cogne la tête. Lorsque je me réveille, je me trouve dans un monde aux allures moyenâgeuses.